quelques minutes d'une réunion importante en INSS, les stress bas sont pleins et les esprits sont tendus. On va en réunion présenter le projet INSS à la DG de l'INSS et on n'est pas très prêt à 100%. Et la réunion c'est dans 10-15 minutes. Il nous reste 5 minutes pour la présentation. La légende raconte que c'est la Mundele de l'agence, Cindy Wankoro, qui était à la base du retard. Partons du principe que les Français sont toujours à l'heure, donc jamais. Il s'est passé quoi alors? Ce qui s'est passé, c'est que, étant donné que c'est une campagne à 360 degrés, pour des gros projets comme ça, chaque département doit proposer son projet et mon département récupère les différentes idées de chaque département et on les met en page pour présenter aux clients. On était à 5 minutes de la présentation et on n'avait pas tout fini. S'il y avait une présentation de plus ou moins 100 pages. Généralement, je récupère tout le soir vers 17h pour une présentation le lendemain tôt, sachant qu'il faut que Yav, notre DG, relise tout, etc., etc. Et la pauvre, sa machine, elle a tellement stressé qu'elle a transmis son stress à la machine. La machine a bugué. Mais genre, quand je t'ai dit bugué, c'est genre toutes les corrections qu'on avait faites, ça ne s'était pas enregistré. Et la machine a planté complètement au moment où on devait enregistrer et copier sur la clé pour partir. Moins de 0,90%. Et qu'il y a un bar, c'est comme 1,99%. Si vous avez regardé la série 300, et lorsque vous avez ces guerriers là, qui sont en train de se préparer pour aller en guerre, ben c'est la sensation que nous on a, la sensation que moi j'ai en tout cas, lorsqu'on va présenter un projet à un client. C'est comme si on était à Bagdad, on était à Kaboul, face aux djihadistes, quoi, tu vois, c'est soit tu meurs, soit tu vis, c'est extraordinaire. Quoi. La page 4. On est sorti ici à 5 minutes de la réunion. Moi, je suis stressé maintenant. Non, c'est bon. Tu vas à la réunion ou pas toi? Oui, je vais à la réunion. Je suis pas stressée, c'est la langue qui était stressée. Étant donné que moi, j'ai l'habitude d'être un peu stressée dans ces moments-là, je ne suis plus stressée dans ces moments-là. Pour moi, ça me fait rire. Au mieux en rigoler qu'autre chose. Mais au final, autour de moi, tout s'activait. On est en retard là, mais je crois que ça va. Quand nous sommes arrivés là, on a fait notre show, tout le monde était content. Heureusement pour nous, tout s'est bien passé lors de la réunion, ils étaient contents. Ils ont acheté notre idée, Dieu merci. Marché gagné, mais deux agents perdus. Dommage. Quand on me l'a annoncé, j'ai refusé de croire, j'y croyais pas. Il était un bon gars. Toute séparation fait mal. Mais c'est un coup dire pour l'agence. Hein. Ça va un coup dire. Ça fait mal. Compliqué quand même. Hein. Mais il est parti pour le meilleur. Donc voilà. C'est des personnes cool qu'on aurait voulu garder longtemps. Je manque quoi dire pour lui, quoi. Je me tire, me demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Mais qui s'est tiré? Qui s'est barré sans motif? Jojo, Lucie ou Ali? Big Man, c'est la famille et le rêve de fou. Les champs pigmentés, le rêve pigmenté, pigmenté. Ruben a pris sa décision, il a une autre opportunité. J'avais jamais imaginé qu'un jour je pouvais venir travailler ici à Pigman. Parce que Pigman, vu de l'extérieur, c'est vraiment un géant. C'est vraiment un géant et les personnes qui arrivent à Pigman arrivent à lire juste là au-dessus, là, l'agence des leaders. Donc les personnes qui sont recrutées ici, je crois qu'elles sont des leaders dans leur domaine. Et j'ai vraiment rencontré un vrai, véritable courant, comment je peux dire, un fort courant intellectuel dans cette boîte. Et toute personne qui y ressort, on ne ressort pas comme il est rentré. Même à Alain qui est déjà un grand visionnaire et il sait transmettre sa manière de voir les choses et les gens arrivent au même seuil que lui, ils voient les choses à la même grandeur que lui. En fait, j'ai beaucoup plus regretté pour Zanga. Désolé. J'étais à Pigman depuis 2014.
Je commençais à fréquenter l'agence. Zanga, c'est parmi les gars qui sont motivés. Tu vois, sa motivation générait quelque chose derrière. Même si tu t'es jamais avec lui, tu sais, il est motivé pour son job. C'est comme si tu frappais un enfant qui n'est pas fort, mais à chaque fois que tu le frappais, il revenait. Quelqu'un sait pourquoi il s'est barré? Parce qu'il en avait marre qu'on se moque de ses oreilles. Le but de raison que Cindy vient de dévoiler pas. Bigna, au-delà du fait que ça soit une famille, c'est également une grande école qui permet aux gens de pouvoir apprendre et à grandir professionnellement. Donc je pense qu'à un moment, la personne a besoin de quitter la zone où il se dit, sa zone de confort, et de pouvoir voir si ailleurs elle peut être à même de pouvoir mener ses défis. C'était une belle aventure. C'était vraiment un très beau parcours. J'ai eu surtout un super chef, Cindy. C'est dommage pour nous, bien sûr, mais je pense qu'il arrive un moment où, quand c'est le moment, il faut dire stop et aller de l'avant. Et je pense qu'il a pris la bonne décision. Tout ce qu'on peut leur souhaiter, c'est plein de succès. Est-ce que ce genre de situation affecte M. Yav? J'arrive au point où je me dis, ça fait partie de la vie. Du point de vue personnel, on s'attache à des gens, donc du point de vue personnel, ça fait mal. Du point de vue professionnel, je crois que c'est la responsabilité de chacun de faire les meilleurs choix pour lui. C'est qu'un épisode, parce que la relation que l'on bâtit, on se rend compte dans Pygma, on bâtit une relation dans un certain genre pendant qu'on est dans Pygma, et après Pygma, la relation continue. Donc moi, pour moi, chaque personne qui est passée par là enrichit mon futur. Donc, il n'y a pas de feu. Il n'y a pas de feu à la maison. Ouais. Tout ce que je voulais, c'est qu'on garde la bonne habitude de partager où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on va. Je pense que c'était important qu'il fasse un peu un point en février sur les nouveaux objectifs. Les gens disaient un peu n'importe quoi dans le couloir, mais il faudrait quand même réunir les agents et les conscientiser pour leur dire que voilà, si on fait tel chiffre d'affaires, et je crois qu'avec autant, on va essayer de prendre tout le monde et mettre dans l'avion et partir à Cape Town. Rappelez-vous que la contribution de chacun de nous, finalement, contribue à un chiffre d'affaires. D'accord ? C'est pour ça qu'on est payé. Les hommes, les personnes, les entreprises se découvrent face aux obstacles, face aux difficultés comme ceux qu'il y a actuellement dans le marché. Nous avons l'intention de grandir même quand les choses vont mal. Et c'est le pari qu'on s'est donné. Le PM 2020 s'est conditionné par le fait que justement, nous sommes allés au-delà et qu'on s'est dépassé et qu'on a battu les objectifs minimum de service. Moi, j'y crois parce que moi, je crois en vous. On reste positif. Je pense que ça valait la peine qu'ils disent un mot. Aoudjana, la grande école de foot de Kinshasa, une équipe Pygma s'est rendue sur place. La réunion, Jana, c'était une très, très bonne réunion. Ça valait vraiment la peine d'y aller parce que il y a des très, très bonnes choses qui se préparent. La petite anecdote, c'est qu'il y avait un embouteillage de fou. Et il s'est fait que nous, on a choisi un chemin comme ça par hasard. Mais Alain qui avait pris l'autre chemin à l'envers, qui était bloqué pendant les embouteillages. Regardez, on vient d'essayer trois différents chemins pour y arriver. On est passé par Poilou coincé, on est passé par Ndolo coincé. En fait, je regrette, j'aurais dû envie de venir au bureau aujourd'hui, quoi. C'est compliqué. Et c'est lundi. Ça, c'est la cata, quoi. Bah, je sais pas, hein, j'espère que les autres avancent autant qu'ils peuvent avancer sans nous. Apparemment tu t'es trompé fiston, on joue pas dans la même compétition. Tu me connais pas très bien, c'est normal, pendant 3 ans j'étais complètement coupé du son. J'ai mis au moins 2 heures de retard. Sinon la réunion s'est très bien passée, il y a quelque chose de très très intéressant qui se prépare pour le mois de juin. Ça a l'air sympa, mais c'était pour faire la fête avec Didier ou pour des raisons pro? La Côte d'Ivoire est un pays florissant ces jours-ci, les choses vont plutôt bien. On m'appelle un peu le Zaïre d'avant d'ailleurs. Et je pense que nos compétences peuvent servir. Je crois qu'il y a des opportunités, il y a quelques portes qui s'ouvrent. C'est magnifique parce que je crois que bon, pendant la période peut-être creuse ici, on pourra compenser le creux et atteindre nos objectifs ailleurs. De retour à Kinshasa, les femmes de Pygma ont envahi le bureau du financier. Il paraît qu'il a fait un beau geste pour la journée du 8 mars. Comme on le dit, c'est le geste qui compte. Merci. Merci, monsieur Marcel. Merci. Quels sont les membres? Oui, quelques membres. L'argent retourne. Oui, des moments. Monsieur Marcel nous a fait plaisir. Il nous a
offert 150 dollars pour qu'on aille manger les filles de l'agence. Même tu rien malgré les moments difficiles, on a tenu quand même à faire plaisir au moment. Voilà. Bon, comme déjà, chez Pigma, il n'y a pas beaucoup de filles. Donc les 150 dollars, c'était largement suffisant pour nous. Quand j'y pense, nos mamans ont souffert. Laisse-moi de la vente, ça, on n'y pense pas, maman. Soyons reconnaissants envers nos mamans. Jusqu'à la fin des temps, elles resteront toujours une énigme difficile à élucider, ces dames. L'argent en main, mais ça fait une demi-heure qu'elles ne savent pas toujours ce qu'elles veulent. Et oui, elles sont encore là. On est tous là, on a l'argent, mais on ne sait pas où on va, on ne sait pas avec qui on part. C'est vraiment vous ça. Vous avez besoin d'hommes. Raison pour laquelle il faut un homme pour diriger, canaliser toute cette énergie. Et voilà l'intrus. Est-ce que vous prenez 2 heures pour vous décider à aller bouffer à Marina, alors que dès le début, je vous ai dit allons bouffer à Marina. Je me pose des questions sur tout ce qu'elle revendique. Syria, c'est un cas. Ouais, il voulait à tout prix venir, mais bon. En même temps, c'était pour nous embêter et puis il est comme ça. Mais vas-y, vite, fais le bon des à 14h bientôt, on va devoir rentrer. On est des filles, hein. Donc le temps de récupérer tout le monde, entre l'une qui se maquille, l'autre qui est au téléphone, voilà, récupérer les voitures parce que les filles veulent pas marcher et tout. Voilà, c'est toujours un peu compliqué, mais finalement, on est arrivé à temps pour manger. Mama boy, you're mama boy, you are. C'était quand même bien de te retrouver entre femmes de Pigma, en dehors du bureau, parler, rire, discuter, c'était sympa. C'est bien parce qu'on n'a pas forcément l'occasion de tous se retrouver pour sortir, parce que chacun mange soit au bureau ou à ses activités à l'extérieur. Et c'est vrai qu'on a des dames aux finances qu'on ne voit jamais, qui ne sortent jamais de leur bureau. Et ça fait plaisir de pouvoir découvrir les gens hors contexte travail. Au Palais, c'était pour une conférence. C'était une journée dédiée aux femmes actives, les femmes qui travaillent et tout le reste. C'était une belle journée. Baby, pana, they say you like you all up. Yeah, I get you all up, baby, pana. Anywhere that you go, I'm the man, I'm the man, I'm the man. Les hommes, eux, n'ont pas eu droit à une fête, mais à une réunion de production pour 2 prods en vie. Le genre de réunion où Singh a convoqué avant, moi je crois que je peux l'appeler. Comment on peut l'appeler? T'es sérieux là? J'avais la phrase. Ouais, c'est ça, t'avais la phrase. Va la chercher. Senga, c'était quoi le but de la réunion déjà? C'est une réunion où je réunis tout le monde et je rappelle les objectifs et le travail de tout un chacun. Malheureusement, sur ce coup ici, il faut respecter le planning tel qu'on l'a écrit. Je ne peux pas changer le planning pour dire qu'on a eu un retard, qu'on a eu. Si je dépasse d'un jour, le réel là, il va me taxer. Lors du tournage, qu'on ne connaisse aucun retard. Et là, j'ai besoin de la disponibilité de tout un chacun. Les personnes qui ne sont pas disponibles à pouvoir travailler les 2 prochaines semaines, mieux vaut le dire. Et je veux prendre 2 personnes. C'est très important ce genre de réunion parce que... Il est très important, allant du bas au plus haut sommet, que tout le monde connaisse quelle est l'histoire qu'on veut raconter, quel est le produit final qu'on veut sortir. À peine arrivé à Kinshasa, le réalisateur des 2 premières pubs s'est vite mis en mode repérage. Au programme, 2 universités et quelques maisons. Je suis Fano Kabwe, réalisateur congolais basé en Afrique du Sud, à Cape Town. Ça fait au moins 10 ans que je fais la réalisation professionnelle. Et avant cela, j'ai eu... I was interested in filmmaking since when I was 12 years old. I started practicing from editing, you know, non-professional videos up to when I went to do my studies in South Africa. Since 2008, I've been doing directing professionally from music video to commercials. Dans un autre coin de la ville,
l'agence prend part à un grand rendez-vous dénommé Digital Week. Ben, la Digital Week, c'est déjà un événement organisé par la Silicon Bantu et Kinshasa Digital. Et ce qui fait qu'au préalable, c'est eux qui nous ont contactés, puisqu'ils savaient effectivement qu'on avait un département digital et que nous faisions partie des premières agences qui étaient dans le secteur. Pour nous, le digital, c'est pas juste un média, en réalité, c'est réellement c'est un mode de vie. Un événement comme celui-là, c'est un bel événement en plus. Hein. J'ai bien aimé, c'était super bien organisé, c'était super pertinent, les participants étaient top. Le public était intéressant, c'était vraiment bien. On donne le ton, on est dedans et on va continuer à le faire. La bataille dans les années qui vont venir va être dans le contenu. Donc pour les développeurs de contenu, et c'est un petit peu une compagnie comme Bigma par exemple, c'est là que le focus en train d'aller, de moins en moins être juste une agence de com et de plus en plus être une compagnie qui développe du contenu qui va vivre sur le digital et à travers lequel nous allons passer nos messages. Après le repérage, le réalisateur s'est vite mis à évaluer les acteurs dans l'une des étapes cruciales intitulée « Casting final ». Je ne suis pas né de la dernière pluie. Yo, Mouninga Nobuta Milelo. Je suis en train de faire un casting final parce que demain c'est la PEPM, la présentation. Le casting, cela me permet de voir la performance des acteurs devant la caméra et voir comment plus simplement de sélectionner les acteurs principaux. Sous le projet Facebook Flex avec Vodacom, vous avez toujours un délai plus court. C'est souvent un grand challenge là où il n'y a pas beaucoup d'options à faire et avoir cette idée, having this courage to like actually select someone who will play the role and being with them, trying to train them and working with them on set. It was actually quite a little bit of a challenge. I mean, trying to see a lot of people coming, but you have only like one or two options for each person. C'est un peu stressant, mais bon, ça va quand même. On essaye. C'est un rôle qui me plaît. Je pense que je peux le faire. C'est cool, c'est jeune, c'est frais, c'est moi. C'était beaucoup moins stressant que je le pensais. Je suis en train de préparer la réunion de Vodacom. Retard de combien de minutes pour l'instant? 13 minutes justement. Et... C'était prévu pour 10h. J'étais déjà prêt de mon côté et puis le chauffeur est venu juste un tout petit peu en retard. Et je ne savais pas à quelle heure parce que c'était à quelle heure la PPM devait normalement commencer. Soudain, j'ai eu un appel de Christian Senga. Il m'a dit « Oh, le client est déjà en salle ici. » Je me suis dit « Ben, qu'est-ce qu'il ne veut pas ?» Je ne dirais pas qu'on était en retard, juste que le client a chamboulé lors de la réunion en venant 20 minutes plus tôt. C'est mieux d'avoir tous les éléments gérés bien avant la réunion. Mais moi, je me suis retrouvée déjà 20 minutes avant la réunion. Je ne vais rien. Voilà, nous sommes là pour d'autres PPM qui va commencer. Mais bien avant, nous allons commencer par récapituler l'histoire qui a été validée jusqu'à la fin. Et nous allons voir le visuel aussi qui a été validé. Ensuite, Gabriel, qui est avec nous, va nous présenter sa partie. Le casting de jeunes a été rejeté. C'est pas la première fois qu'un cast est rejeté lors d'une réunion. Donc, on n'avait pas beaucoup de temps de préparation.